So many people today claim to have been born again. So many people claim to be Christians. So many people say, I'm saved. And when you ask them why, they say, well, I asked Jesus to come into my heart. I prayed a prayer. But what is the evidence that God really saved them? Jesus says here, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. What is the counter of that? If you do not continue in my word, then you are not disciples of mine. He always said, you need to count the cost. It's free, but it'll count, it'll take everything. He's the one that said, strive to enter in. He's the one that said, the kingdom of heaven is taken by force, by violence. He's the one that said, strive to enter in, because many will seek to get therein, and they'll not be able. I walk as he tells me to walk. I think as he tells me to think. I do as he tells me to do. I separate as he tells me to separate. I follow his will, because it is not the one who says, Lord, Lord, that will enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of God. Discipleship is believing him for everything. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. C'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, c'est sûr que tu peux hiérarchiser les fautes, il y en a qui sont plus importantes, moins importantes. C'est sûr que l'idolâtrie se trouve au sommet. Et puis que bon, avoir mangé du pain sans s'être lavé les mains avant, allez, et par rapport à se prosterner à quatre pattes devant une idole, c'est sûr que... C'est vrai, si tu raisonnes d'une manière mathématique cartésienne, tu peux effectivement voir des grandes et des petites fautes. Mais si maintenant tu raisonnes par rapport à la relation avec... Tout ce que le maître du monde t'a dit ne fait pas, c'est que ça le dérange. Alors qu'est-ce que tu commences à comptabiliser? Ça c'est grand, ça c'est petit. Si c'était si petit que ça, il ne t'aurait pas dit de ne pas le faire. Donc qu'est-ce que tu commences à dire? Oui, mais ça c'est une grande faute, petite faute, machin, etc. Mais attends, tu parles à quoi? Tu parles à un ordinateur ou tu parles au maître du monde? Tu parles à une machine ou tu parles à quelqu'un de sensible? Si lui te dit ne fais pas, de quel droit tu commences à dire oui, mais elle ne le fait pas sérieux et elle ne le fait pas moins sérieux? Mais quand on aime, on ne compte pas. Stabilise pas. Donc c'est que tu n'aimes pas, parce que sinon tu rentrerais pas dans ces calculs-là. Separate from that which is unclean. I will do that. I will go into the Word of God. I will discover what Christ deems unclean. I will believe Him when He makes that command, and I will follow Him. Oh, that there was such a heart in them that they would fear Me and keep My commandments always, that it might be well with them. And with their children forever. He said, oh, you have the right words, you sing the right songs, but your heart is not right. Toute cette hiérarchisation entre les fautes n'est vraie qu'au niveau d'une étude universitaire standard. Mais quand tu vis profondément ta relation avec Dieu, qui c'est qui oserait toucher au moindre détail de sa loi sous prétexte que... La loi, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Nous avons lu dans le psaume 19, les commandements de l'Éternel sont purs, purs. S'il t'a dit ne fais pas, ne touche pas, ne touche pas, c'est que ça lui est important, Nekouda. Et donc, on va pouvoir voir la puissance de ta relation en fonction de l'importance que tu donnes à tel ou tel mitzvah. Ce qui fait que le juste véritable considère la moindre des petites ordonnances aussi sévèrement que la plus grande et la plus grande des choses.
He's the one that told men to follow him. And no matter the cost, he's the one that said that you need to love him more than you love your own life. Les gens critiquent les enseignements solides de la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est trop fort. C'est trop fort. Ça repousse les gens. Nous voulons un Dieu qui nous rend confortable. Nous voulons un Dieu qui nous met à l'aise. Vous voyez, c'est cela qu'ils sont en train de dire. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est un christianisme sans aucune ossature. Un christianisme sans aucune doctrine, sans aucun enseignement. Il n'y en a pas dans les églises d'enseignement. Et la Bible dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine. He warned about those who would become so twisted up with cares of this world that they would become fruitless. He warned about those who were fruitless, that they were like trees ready to be chopped down and thrown into the fire, or vines. He said, abide in him. Chaque chose est comptabilisée parce que chaque détail a son importance infinie, puisque si c'est le maître du monde qui l'a demandé, il n'y a pas de petites et grandes choses. Tu penses que le maître du monde est un comptable, un épicier qui commence à mesurer? Sa volonté, elle est une et indivisible. La loi, c'est l'expression de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, ce que nous devons être, ce que nous devrions être. La volonté de Dieu est au-dessus du temps. Tu ne peux pas la limiter et dire c'est valable maintenant, c'est pas valable demain. C'est pas possible. Parce que celui qui est au-dessus du temps exprime une volonté qui est au-dessus du temps. Donc c'est à toi de te hisser à ce niveau-là. I beg you to scrutinize your life tonight, to ask yourself, has my relationship with the Word of God changed? Is God teaching me through the Word? Do I have a desire for the Word? And am I growing in holiness? Can I see any progress? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il est sûr. Il rend sage le simple, l'ignorant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment savons-nous ce qui est bon de ce qui est mauvais? Quand quelqu'un étudie la Torah avec envie, avec entêtement, avec exaltation, avec enthousiasme, et il devient fou de comprendre qu'est-ce qui est marqué ici, il ne peut pas rester tranquille, et c'est ça qui a dans la tête. C'est barour, badouk ou menoussé, c'est évident, clair, expérimenté. Ça calme les Yetzer'ara, ça calme, tu fuis, il n'y a pas d'antidote aussi puissant qu'on Yetzer'ara que l'étude de Torah. Le juif a accepté une Torah qui ne se comptabilise pas dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de démodage, etc. Tous les peuples, toutes les civilisations, donc celle dans laquelle on vit, ont glissé sur cette peau de banane. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comment un juif peut-il parler d'ancien et de nouveau quand il s'agit de la volonté du maître du monde? Il impose ses lois et c'est lui qui donne les règles du jeu. Dans la game de la vie, c'est lui qui dit ça se passe comme ça. Il faut que tu sois parfait. Si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, des hommes religieux, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. There is a sense that you have been raised under a great deal of spiritual fraud and heresy, where cliches written on the back of Christian t-shirts have more power than the preached Word of God, because the Word of God is simply not preached. So we want to lay bare the lies that are so often believed today. Tear apart the cliches that are nothing more than clichés and have no power to save you. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Il y a une évangélisation à l'envers, une évangélisation diabolique, conduite par les démons, pour faire penser que le mal est bien, et que penser que le bien est mal. Malheur à ceux qui parlent cette façon-là.
Mais aujourd'hui arrive le temps ou l'époque, comme Ésaïe le déclare au chapitre 30, les gens disent, déclarent, dites-nous des choses flatteuses, des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. On aimerait avoir autre chose qu'une croix, que du sang versé, que des commandements sur la sainteté, s'éloigner du péché, penser uniquement aux choses d'en haut. Non, on veut pas cela. On aimerait s'établir, on aimerait avoir une Cadillac, on aimerait s'enraciner sur la terre, on aimerait avoir la plus belle maison de tout le quartier, on va la clamer, la proclamer au nom de Dieu, on va se servir de Dieu. Le jour où on va tous se rendre compte de la gravité de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de faire, notre chute morale va être énorme. Ça va être énorme. Je vous le dis par amour, c'est énorme. C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à côté de la cible et qui s'en rend compte quand il n'a plus de force. Alors je ne sais pas quels sont les comptes divins, mais ce que je peux vous dire, par amour et avec sympathie, arrêtez.